tête bien droite, pas trop. Bien comme ça, le cul sorti, donc tu restes. Au bout de 30 secondes, ton tutu élastique. Stop. Chaussure. Stop. Chaussure. 1, 2, 3, stop. Ballon. 1, 2, 3, pas trop. L'écart. Pareil, tu es là comme ça, tu viens, des petits mouvements. C'est le regard qui compte. Voilà. Gaine-toi bien, gaine-toi bien. Les épaules. Tu vois, ça se travaille la stabilité, ouais. Et le gainage. C'est compliqué, hein. Après, moi, je suis un peu lourd, je suis désolé. Mais tu vois, là, tu travailles en binôme. Pareil, boum. Là, tu travailles, là, pareil. Tu dois pas bouger, tu vas pas bouger. Et là, tu viens sur le côté, comme j'étais, tu vois. Et toi, tu mets une puissance, voilà, comme ça, nickel. Et moi, je dois pas bouger. Bras tendu ou bras fléchi? C'est comme il préfère. D'accord. Le bras tendu c'est mieux, ça te fait plus travailler les gainages. Et là pareil, tu viens comme ça. Ça te permet aussi de travailler les bras, à garder justement cette pression comme ça, tu vois. Comme ça, boum boum boum. Et tu peux mettre des petits mouvements. Si tu vas chercher ton gaucher, tu vas le chercher. Si tu veux rentrer sur le talon, boum. Donc important la mobilité aussi des cervicales, faut pas que tu... Donc là pareil, je travaille aussi les épaules. Tu viens, boum, et là tu vas derrière, ça te permet de travailler les omoplates. Voilà, et là tu viens, tu fais ça un peu, ça te fait travailler un peu là, comme ça, et là tu viens, et là les bras, venir encore un peu plus, voilà, comme ça, là tu bouges pas, tu vois ça, et là pense à tes omoplates comme je te disais là, voilà, là t'as le creux, tu vois, nickel, impeccable, bien. Yeah. Nickel, tu passes face un peu plus compliqué. Ouais, ton talon, tu vois, il faut que tu travailles aussi l'épaule. C'est important d'avoir une souplesse d'épaule. Toujours pareil, travailler de cervical. Ouais, le dos un peu cambré. Voilà, moi je viens de côté. Ça va les côtes? Ouais. Nickel. Ouais, ça, c'est vraiment les bases qu'on nous apprend de. Tu viens chercher le genou bas. Là t'es bien. Là t'es bien. Boum. Les omoplates. Les omoplates. Bam. 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 Donc là je suis là, je viens chercher. Petit pas. Boum. Le dos. Le dos. Bam. Bam. Stop. Go. Et là, bam, 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 bam. C'est le regard. Les yeux, c'est pas la tête. Voilà. Voilà encore. Ah, bah, encore, encore. Là t'es dos droit, voilà, petit pas, stop, go. Bien, bien, bien. Voilà, on va travailler là, le gainage, la puissance, un peu d'explosivité, on va passer au jour et on va travailler encore plus l'explosivité. Ça te va? Ouais, allez, mec. T'inquiète. Non, mais tu vas allier, tu vas exercer une pression sur l'épaule. Donc tu vas essayer d'aller plus loin possible avec ta tête, tu vas mettre une pression aussi supplémentaire. Donc il aura double pression sur lui. Voilà. La pression que tu exerces comme ça, tu vas l'exercer comme ça. Tu vas aller judoka. Ouais. Judoka.
font comme ça, tac, ils essayent de prendre comme ça, extérieur. Par contre, dès que la prise va arriver, boum, tu vois, flexion, lié, jeu. Travailler deux jours, c'est bien de travailler avec la première jeu. Bon, là, après, tu travailles toi ton impact. Voilà. Flexion. Lié. Placer les appuis. Jump. Ça, c'est la séance mêlée du jeudi, ça.